Nous sommes le 29 mai 2015. Près de Toulouse, l'aérodrome de Mur-et-Lherm accueille le troisième plus grand meeting aérien de l'Hexagone, Air Expo. De 10h à 18h, un spectacle regroupant des dizaines d'avions émerveille des milliers de spectateurs. Et Air Expo, c'est un meeting un peu particulier. En effet, c'est le seul meeting aérien au monde à être organisé uniquement par des étudiants. Une cinquantaine d'élèves de deux grandes écoles d'ingénieurs de l'aéronautique, l'ISAE Supaéro et l'ENAC, sont présents le 5 novembre à l'Assemblée Générale de l'association, sur le campus toulousain. Une équipe d'élèves de première année va être élue pour organiser le meeting de l'année 2016. En plus de leurs études, ils ont 8 mois pour organiser cet événement gigantesque. Aujourd'hui, une partie de l'équipe visite l'aérodrome de Mur-et-Lherm avec le directeur des vols, Daniel Binard. Ce repérage est la première prise de marche de l'équipe. Il récolte toutes les informations essentielles pour que l'événement se déroule bien le jour J. Dans le même temps, une vente de chocolat s'organise dans leurs écoles d'ingénieurs dans le but de financer une partie du meeting. Plusieurs opérations comme celle-ci sont nécessaires pour financer un événement d'une telle ampleur. Aujourd'hui, c'est Jason Mahé qui nous parle de la commission partenaire. Alors bonjour, je suis Jason Mahé, je suis le responsable de la commission partenaire pour Air Expo, la 30e édition. Mon rôle pour Air Expo 2016 est de renouveler les contrats des années précédentes, mais également de prospecter de nouvelles entreprises afin d'amener suffisamment de fonds pour cette 30e édition. Mon plus difficile dans mon travail sont les phases de négociation. En effet, les partenaires vont vouloir tirer les prix vers le bas, alors que nous devons nous assurer un certain budget à respecter. Nous devons donc essayer de trouver un juste équilibre entre le prix demandé par le partenaire et notre prix à nous afin de pouvoir réaliser donc ce projet et d'avoir suffisamment de fonds pour mettre en œuvre donc cette 30e édition. Toute l'année est importante pour la commission partenaire. En effet, nous devons nous investir à 100% tout au long de l'année afin de signer les contrats à temps et donc récolter suffisamment de fonds pour le meeting, mais également nous devons rencontrer de nouveau les entreprises après le meeting afin de leur faire un compte-rendu. Nous donnons notre maximum cette année pour cette édition d'Air Expo qui s'annonce titanesque. C'est pourquoi nous vous attendons très nombreux.